Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce joli papier imprimé que j'ai obtenu dans la brochure hein, qui est valable jusqu'au 28 février, ainsi que ce set de tampons. À partir de 60 euros d'achat, hein, vous pourrez vous choisir plusieurs produits hein, dans cette brochure qui est disponible en version PDF sur mon site internet. Je vous présente hein, rapidement ce papier et puis après je passerai évidemment à la réalisation d'une petite carte. Alors en tout j'ai 12 feuilles. Hein. Là je vous en présente que 6 hein, puisque j'ai deux feuilles de chacun des 6 motifs hein, recto verso. J'aime beaucoup ces couleurs. Là vous avez vous voyez deux feuilles hein, qui se ressemblent assez. Il y a juste les motifs qui sont un peu plus gros. Et puis voici voilà la dernière. Donc voilà, je vous disais, c'est vraiment de très jolies couleurs. Et pour réaliser ma carte, hein, je vais prendre ce papier imprimé, cette feuille. Et puis voilà, le petit message, rien n'est trop beau pour toi et je t'aime. Je n'ai pas encore déballé hein, les tampons. Donc voilà, je vais préparer ce qu'il me faut pour ma carte et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai préparé ce dont j'avais besoin. Donc je suis venue hein, découper dans mon papier imprimé, je l'ai simplement découpé en fait en trois. Donc j'ai trouvé un cadre hein, qui correspondait très bien donc, à ma couronne de fleurs, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce rectangle, hein, je viendrai tamponner voilà, des petites fleurs supplémentaires que j'ai trouvées dans un lot au goût de miel, hein, je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Et puis comme je vous le disais, mes petits messages, hein, dans cadeau du jardin, que voilà, que je tamponnerai au milieu de cette couronne. Et puis ma petite carte de base, hein, donc ça c'est pareil, hein, c'est dans le catalogue annuel. Vous pouvez faire différemment hein, puisque voilà, vous avez ce papier qui ressemble beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Des tampons encreurs, hein, donc voilà, trois coloris différents. Et puis voilà, ces petits coins hein, que j'ai trouvé, je crois, dans le cadre fabuleux. Hein. Je vais vérifier, je vous en reparle aussi tout à l'heure. Donc encore un petit rectangle, mes brosses estompes, hein, il en faudra deux. Et puis voilà, j'ai trouvé des petites perles. Cette petite matrice hein, que j'avais trouvé chez Action, mais bon, là aussi, hein, on peut faire différemment. On verra ça aussi tout à l'heure. Dans un premier temps, hein, je viens en fait coloriser mes deux petits papiers blancs hein, avec mes brosses estompes hein, tout simplement puisque après je vais venir découper donc bah, les deux matrices que vous voyez hein. Je commence par coloriser avec mon vert olive hein, puisque en fait ça correspond au papier imprimé hein. Ce sont les mêmes coloris donc et je viendrai juste après découper donc je mets de côté. Et puis je vais faire pareil avec mon autre petit rectangle pour justement les coins, les quatre coins. Donc là c'est du jaune carimoulu. Là franchement je viens vraiment coloriser donc ce papier vraiment grossièrement hein, comme tout à l'heure avec le vert olive. Hein, ça n'a pas énormément d'importance, hein, c'est vraiment très très grossier. Et je vais mettre hein, ces deux rectangles hein, de côté, hein, ça permet de les laisser sécher avant de passer à la découpe. Je vais venir donc tamponner avec Scène Stellaire, hein, mon encre Scène Stellaire, mes fleurs hein, donc, qui font partie du lot au goût de miel. Hein, en fait, c'est un lot avec donc tampons et matrice de découpe associée. Que vous pourrez trouver dans le catalogue annuel. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai les références si jamais ça vous intéresse. J'ai choisi ce lot hein, parce que je voulais vraiment rajouter voilà, des petites fleurs supplémentaires à cette jolie couronne. Et c'est vrai que je me suis aperçue un peu tard qu'il existait un lot associé à ce papier imprimé. Mais voilà, j'avais déjà fait ma commande, donc j'ai trouvé une autre alternative. Pour info, hein, ce lot qui est donc coordonné se trouve à la page 55 hein, du mini catalogue. Hein, c'est le lot
tendre attention et il est vraiment superbe. Et peut-être hein, qu'il fera partie de ma prochaine commande, hein, parce que c'est vrai que voilà, il est vraiment très très joli. Mais bon, après, c'est vrai que dans le mini catalogue, il y a vraiment voilà, de très jolis lots. Et pour moi, c'est très difficile hein, de faire un choix. Je mets de côté, hein, puisque voilà, je pense que je vais tout découper en même temps. Hein, ça va me faciliter les choses. Et puis voilà, je vais pouvoir tamponner donc justement mon petit message. Rien n'est trop beau pour toi et je t'aime. Hein. Donc ça fait partie du lot cadeau du jardin. Donc c'est le lot hein, que je vous ai présenté au début de ma vidéo, que j'ai obtenu hein, gratuitement hein, des 60 euros d'achat. Si vous ne connaissez pas hein, les tampons en résine Stampin' Up, c'est vraiment des tampons de très bonne qualité, honnêtement, comparé à d'autres marques, je pense que ce sont mes préférés. J'ai un peu de mal à positionner, hein, puisque c'est neuf et ça colle beaucoup, c'est normal. Alors c'est vrai que d'habitude, je fais plusieurs essais sur une feuille de brouillon, puis c'est vrai que là, je n'ai pas eu le temps. Petite astuce d'ailleurs au passage, quand vous avez un tampon en résine qui adhère trop fortement à votre papier, il suffit simplement de vous munir d'une gomme blanche. Vous savez, les gommes qui servent à gommer le crayon à papier. Et simplement de passer cette gomme délicatement sur votre tampon et vous verrez, c'est vraiment très efficace. Voilà, le rendu est vraiment très très fin, c'est très joli. Donc je passe à la suite. Je passe maintenant voilà, à toutes mes découpes. Hein. Donc j'ai repris ma machine de découpe A5 hein, puisque j'utilise toujours mon tapis magnétique. Ce tapis magnétique, hein, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Hein. C'est vrai que je le trouve vraiment très pratique, hein. J'ai du mal à m'en passer honnêtement. Par contre, voilà, c'est déjà le troisième que j'achète. Et honnêtement, voilà, je trouve qu'il s'use, voilà, qu'il s'use, qu'il se détériore un peu trop vite. Bon, et même, voilà, je vous disais que c'était pas cher parce que, voilà, c'est à moins de 10 euros, mais quand même, voilà, c'est vraiment. Bon, je sais que je fais beaucoup de découpes, hein, donc c'est normal que ça s'use, mais là, ça, je trouve vraiment ça s'use très très vite. Je passe donc à la découpe hein, de mes coins. Donc en tout, sur cette matrice, hein, vous avez 4 coins. Donc c'est à la page 169 hein, du catalogue annuel. Et ça s'intitule Cadre fabuleux, hein, puisque en tout, vous avez 6 poinçons. Donc vous avez des cadres, des coins, enfin voilà, n'hésitez pas donc à aller voir hein, à la page 169 hein, du catalogue annuel. Et cette matrice hein, fleur hein, qui fait partie du lot au goût de miel hein, à la page 74 hein, du catalogue annuel que j'extrais délicatement hein, puisque elle est très fine, donc vraiment relativement fragile. Il ne me reste plus que la dernière découpe. Hein. Donc moi j'utilisais mon rectangle ébarbé. Il me semble, je crois que c'est le nom qu'il porte. J'en suis pas très sûre, je vais vérifier quand même. Vous retrouverez de toute façon l'info comme d'habitude. Donc voilà, vous pouvez simplement découper un rectangle hein, de 12 cm par 8,5 cm. Voilà, il ne me reste plus qu'à assembler ma carte. Donc, je commence par tout simplement coller mes 4 coins sur mon rectangle. Et je vous laisse en musique, hein, je vous retrouve juste après. Voilà.
Voilà, maintenant je vais prendre donc mes fleurs, hein, mes découpes de tout à l'heure, hein, que je vais superposer en fait, hein, les unes sur les autres. Donc je vais mettre un petit point de colle pour ne pas que ça bouge, hein, pour les fixer quand même. Puis je vais en fait je vais prendre toutes mes découpes, hein, je vais les positionner sur ma carte de base, hein, pour voir quand même ce que ça donne avant de tout coller. Ma carte de base pliée, hein, mesure 10,7 cm par 14 cm. Hein, donc moi je l'avais j'avais acheté donc ces cartes et ces enveloppes au catalogue annuel. Et d'ailleurs, hein, on retrouve pratiquement, hein, les mêmes motifs et ce même coloris, hein, scène stellaire, dans justement le papier que j'ai eu gratuitement dans la brochure que je vous affiche, hein, sur l'écran en haut à droite. Je positionne des pastilles, hein, de mousse 3D sur le bouquet de fleurs, hein, pour avoir un peu justement de 3D. Donc au début, hein, j'avais pris des trop grosses pastilles, donc j'en ai pris des plus petites. C'est beaucoup mieux. Et voilà, je positionne directement sur mon cadre. Je vais venir positionner aussi on va dire mon faux scotch, hein, mon faux ruban. Donc cette matrice, hein, moi je l'avais achetée chez Action. Donc voilà, je trouvais sympa de la coller ici. Après honnêtement, voilà, vous pouvez coller un morceau de ruban, du washi, enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. Et là, comme vous allez pouvoir le constater, et je suis en train d'y réfléchir, j'ai complètement oublié de coller ma carte de base. Donc voilà, ça ne va pas du tout. Donc je recommence, hein. Je vais coller, fixer ma carte de base tout simplement avec de la colle. Voilà, j'aurais dû commencer. Voilà, j'ai complètement zappé le collage. Donc je suis un peu dans le désordre. C'est bien fixé, ça ne va plus bouger, hein, c'était complètement parti de travers, c'était pas très joli. Je fixe une dernière pastille 3D, hein, sous le bouquet de fleurs, hein, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Et puis il ne me reste plus qu'à venir fixer mes demi-perles. Donc voilà, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Je vais les fixer et puis je vous retrouve juste après. Je vous laisse en musique. C'est terminé. Donc voilà, c'est vraiment une petite carte très très simple à réaliser, mais qui fera forcément son petit effet. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis comme d'habitude, hein, je vous ai laissé des petites photos à la suite, hein. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.